Thank you.
tous ceux qui vont me regarder en différé. On va encore un peu se faire de solo. On va se trouver un autre truc un peu sexy. Qu'est-ce qu'on va se trouver? C'est un petit funk en B mineur. Thank you.
Vous imaginez pas comme j'ai chaud là. Maintenant j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai Salut Flores! Salut Enzo! Ça roule ou quoi? Première fois ici, première fois sur mes lives. Eh bien, bienvenue. Bienvenue Flores. Alors, je ne fais pas que jouer de la guitare comme un aveugle. On n'est pas ici. Attends, je vais couper ça. Hop. On n'est pas ici que pour improviser sur des backing tracks. Clairement pas. On est là pour plein de matos. Pour l'amour du matos. Pour l'amour du nouveau matos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, nouveau matos. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? Oh, on va ranger ça. On a une LTD et une pédale de compression. Oh, on va pouvoir enfin voir si avoir une pédale de compression, ça sert vraiment à quelque chose ou c'est juste vraiment pour faire plaisir. Salut Blouazia! Et merci pour le sub. Tiens, j'ai l'impression que les alertes, on les entend pas. On les a entendues dans le stream, les alertes? J'ai pas eu l'impression. LTD. Exactement comme ça que ça s'écrit. Moi, je me demande qui est W. Flores. Ou Flores. La première fois que tu viens ici. J'aimerais bien savoir, dis-moi, d'où viens-tu, W. Flores? On va t'appeler Wufflo. En cours. Wufflo, c'est bien. J'ai un peu trop de musique dans mon retour. Tu l'as entendu? Ah bah, c'est fantastique. Merci, Blurasia. J'ai chaud. Vous imaginez pas comme j'ai chaud ici. Regarde, on voit ma... Regarde, je reluis. Je reluis. C'est pas très sexy. Je ne suis pas très sexy. Comment vous allez, les amis? Comment ça va? Aujourd'hui, c'est un petit stream, un peu calme. Avec peut-être un invité. Mais c'est personne de très important. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le nouveau matos. Alors, je vous ai fait une super cam vue du dessus. Regarde ça, regarde. Attends, faut que je la prépare. Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle est là. Elle est pas là. Elle est là. Elle est là. Regarde ça. Ah, mauvais sens. Faudrait pas que je sois Madame Météo, moi. On a une caméra vue du dessus pour pouvoir voir cette nouvelle pédale-là. D'ailleurs, on va la... Regarde. On va... Sans qu'on me voit, moi, ce serait bien. Parfait, comme ça on voit tout, on voit le quad cortex. Je viens du Pas-de-Calais. Eh ben, écoute, je vais t'en dire encore plus, Flores. Est-ce que tu m'as découvert comme ça, juste dans les suggestions, en parcourant Twitch, ou alors on se connaît de Facebook, ou on se connaît parce qu'en fait, moi je suis pas... Oui, tu découvres via Twitch, ça c'est quand même classe. Ça, c'est cool. Ça arrive pas souvent, parce que ici c'est un truc très, très pointu comme chaîne, dans le sens où c'est vraiment du matériel de guitare. Pas de Calais. Pourquoi pas de Calais, tu le répètes? Oui, donc, je vais continuer ce que je disais. Ici, c'est une chaîne très, très spécifique, matériel, matos, etc. Et on a pas mal d'invités. On a eu Denzo la fois dernière. Et si tu veux voir, si tu veux un peu découvrir... il y a plein sur la chaîne YouTube, il y a plein sur ma chaîne YouTube, donc si tu vas sur Georges Vigneron ou si tu tapes Rediff, je pense que si tu tapes Rediff ici, voilà, si tu tapes Rediff, là tu vois la playlist YouTube et tu vas pouvoir réécouter tout ce qu'on a fait.
Jusqu'à présent, il y a plein d'unboxing de guitares, il y a du Fender Custom Shop, il y a du Fender Vintage, il y a beaucoup, beaucoup de Gibson. Si t'aimes les guitares, t'es au bon endroit. Et j'espère que ça te plaira. Alors Denzo, pas de palais, t'as la ref ou bien... Non, pas du tout. Pas de palais, non, je l'ai pas. Ça sent le film français avec Cadmerade et... Cad et Olivier ou un truc comme ça, à mon avis. J'ai aussi mis une petite playlist qui m'était proposée par Spotify. Une musique, c'est quoi? C'est mon mix 1? Je pense que c'est ça. Non, Daily Mix 4. Mais il y a plein de chouettes trucs. Il y a Marmosette. Il y a Prestumeco, encore une fois. Allez écouter Prestumeco parce que ça tue. Astérix, Mission Cléopâtre, Shabba. Mais je me rappelle pas, pas de Calais, pas de Palais. Ça, je me rappelle pas par contre. Pourtant, c'est quand même connu comme film. Et je l'ai vu. Mais non, ça me dit rien. Ah, aussi, j'ai un beau t-shirt un peu trop grand quand même. Il est trop grand. Si tu me voyais debout, ça n'irait pas. Tu te dirais, oh mon dieu, c'est trop grand. J'ai un beau t-shirt Behind the Pines, qui est le groupe dans lequel je joue. Donc, c'est un peu de l'auto-promo, quoi. Un petit peu. Mais c'est la première fois que je le mets, en fait, parce que c'est la première fois où on ne voit que le dessus de mon corps. Donc, c'est le bon plan, quoi. C'est le bon plan que de le mettre maintenant, parce que voilà, il est trop grand. Donc voilà. Ah oui, et tu peux voir aussi ici, sur la cam. Alors, je pense que je dois avoir un split screen. Attends. Je sais pas. Attends. Ça? Ah non, c'est pas ça. Ça marche pas. Je l'ai pas en grand. Split screen. Je l'ai pas en inversé. Non, je l'ai pas en inversé, mais de toute façon, c'est pas grave. Tu vas pouvoir voir ici. J'ai acheté des trucs là, les mushrooms là, de chez Moore. Donc c'est pour pouvoir rendre le pedalboard, enfin les switches un peu plus larges, c'est vachement pratique. Pas de bateau, pas de pierre, pas de palais. Ah ok, oui, mais il dit pas de calais à un moment donné, ou c'est juste parce que ça te faisait penser à pas de palais? Bref, tu m'écoutes. Alors ouais, donc j'ai acheté ces beaux petits trucs. Alors à la base, pro comme je suis, hein. Je suis très pro. J'ai acheté ça pour ça. Sauf qu'en fait, ces switches-là sont plus petits que ceux-là. Et donc, en fait, ça, les mushrooms, bah, ils vont pas sur celui-là. Parce que moi, c'est celui-là que j'avais besoin d'espace. Celui-là, ça allait. Donc, par dépit, je les ai mis sur le quad cortex. Parce que sur le quad cortex, ça marche. Mais ça m'a un peu cassé, quoi. Parce que je voulais mettre ça sur ça. Voilà. Voilà. Et sinon, bah, en fait, il y a un truc. C'est que la pédale max, elle est grosse. Et en fait, on se rend peut-être pas compte avec Internet et tout, mais les pédales UAD, UAFX, elles sont quand même vachement grosses. Je pense, regarde, j'ai un mètre ici. Ça fait quand même... Alors, le corps, 4 cm de hauteur, faut quand même déjà se les taper. Et puis, quasi 7 cm avec les boutons. C'est pas négligeable, peut-être que j'exagère, hein, 4 cm avec les boutons. Plutôt 6, les boutons, ils vont pas faire... Ouais, ils font 2, quoi. Donc on va dire 6 cm en hauteur. C'est gros. C'est gros. Faudra faire attention à ça si vous voulez mettre dans votre pedalboard. Toutes les pédales UAFX, hein, forcément. Et j'ai pu tester l'application. Donc tu as une application qui vient avec. Qui te permet de contrôler en profondeur... la pédale, donc d'aller plus loin dans les presets, et ça, je pense pas que je pourrais faire un... Vu que le téléphone est utilisé pour que vous puissiez voir le truc, et que j'ai rien préparé, parce que je suis pas un type préparé, j'ai rien préparé pour que vous puissiez voir la copie de l'écran de mon téléphone. Là, en fait, c'est une application qui tourne et qui fait que vous voyez ce qui passe par la caméra du téléphone. Mais je pense que je vais devoir créer une source différente s'il faut... Enfin, c'est tout un truc avec OBS, ça devient un truc de geek encore plus que ce que je suis. Donc, ça me dépasse. Donc, on ne pourra pas voir le truc de l'application, mais c'est super bien fait. Ça vous permet d'aller quand même vachement plus loin, et je vous montrerai des exemples parce que...
Ça faisait longtemps que je voyais des pédales passer du AFX ou du AD, Universal Audio. Et je me suis toujours dit, ça a l'air bien fait. Et UAD, c'est souvent bien fait ce qu'ils font. C'est souvent cher et un peu restrictif, mais c'est bien fait. Et l'interface est super cool. Et je suis très content de cet achat. Et sur le côté, j'ai revendu une Squier, pour ceux qui ont vu passer sur Facebook, une Squier Jazz Master. Une Jazz Master 40e anniversaire, qui était très jolie. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et je pense qu'on avait fait l'unboxing ici aussi. Je vous l'avais montré. Je sais plus si c'est dans un live que j'ai mis en rediffusion, parce que les petits lives, peut-être comme celui-ci, tu vois. Celui-ci, ils sont peut-être pas. Je les republie peut-être pas sur YouTube, parce que je me dis c'est pas aussi riche et aussi intéressant que les gros lives que j'utilise un peu 3-4 jours avant. Voilà. Donc je sais pas si on pourra voir ça sur YouTube, parce que je pense pas avoir. Sinon, ça aurait été dans une des miniatures et je l'aurais faite. Donc je pense pas que ça peut être revu sur YouTube. Mais on avait unboxé une Jazz Master, une Squier 40e anniversaire. Et le résultat, c'était que, ben, on a beau ici avoir des goûts de luxe et avoir des belles guitares quand même la plupart du temps. Et ben, ces petites Squier qui coûtent entre 300 et 500 euros, et ben, elles valent vraiment le coup. Elles valent vraiment le coup. Alors, je viens de repenser aussi à un truc. La fois dernière, je ne sais pas si vous étiez au courant, j'avais introduit le concept de. Je me perds. De récompense. Alors voilà, comment je fais? Gérer les sondages, gérer les objectifs. Voilà. Point d'abonné total. Ah non, c'est pas ça. Non. Non. Je pense que c'est un autre. Je pense que je dois l'actualiser par après. Attends. C'est pas grave. Ici, vous avez en fait un objectif. Et c'est. Je pense qu'il faut avoir 50 000 points en tout. Donc, il faut que vous donniez 50 000 points. C'est un objectif, on va dire, commun. Donc, vous ne sauriez pas vous tout seul donner 50 000 points, mais à vous tous ensemble, avec 50 000 points. En fait, les points, c'est des trucs que vous allez pouvoir accumuler en commentant, en étant dans mes lives. Et une fois ces 50 000 points passés, et ben, j'apprendrai un solo. Et ce sera un solo de votre choix. Donc, on décidera pas de votre choix. Ce serait cool de ne pas me faire apprendre du Petrucci ou du Malmsteen, mais. On choisira ensemble, quoi. On en parlera et tout. Quand on aura atteint ça, Mais après, c'est encore nouveau, hein. Donc, je maîtrise pas exactement tous les outils de Twitch. Parce que c'est pas mon temps plein, quoi. Et sinon, pour la petite histoire, ce que vous avez entendu tantôt dans l'impro, d'ailleurs, je vais prendre la guitare qui est censée aller avec. La Strat! Une Strat dans un stream de Rolrito, what the fuck? Bon, ici, j'ai coupé un peu la musique, hein. Hop, voilà. Ici, on est sur une strat que j'utilise pour le set de Minor Minor. Donc Minor Minor, c'est un de mes groupes. C'est un groupe alternatif rock. Et on devait normalement jouer ce week-end, sauf qu'en fait, il y a eu de la pluie. Enfin, il y a eu des risques de pluie. Et on s'est retrouvé à pas jouer du tout. On devait jouer au Baudestival. Vu qu'on reste quand même un groupe de petite renommée, pas de grosse renommée ou de moyenne, et ben il fallait bien laisser priorité pour des groupes qui, enfin, où le public venait pour ces groupes-là
en plus grande quantité en tout cas. Et donc sur, malheureusement, je pense que c'était 3 ou 4 groupes qui ont été annulés sur le festival, et ben on était dedans. Donc ça fait 3 mois qu'on avait repris les répètes avec Minor. Non, pas 3 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Parce qu'on était un peu en pause jusqu'à présent. Et ben on l'a un peu fait pour rien. Et mais j'ai créé un preset complètement différent de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai l'habitude de faire toujours un truc 4 câbles, même plus c'est 6 câbles, c'est une méthode 6 câbles parce que je joue en stéréo. Alors c'est toujours guitare dans le pedalboard sort et va dans le préamp des deux amplis, donc ça fait 2 câbles, on est à 3 câbles déjà. Puis on revient de ces deux amplis, on revient avec leur scène, donc ça rentre dans mon pedalboard. Et puis ça ressort dans le return de l'ampli. Donc on se retrouve avec 7 câbles. Voilà. 7 câbles en tout. Et je joue toujours en stéréo avec les boucles d'effet et j'ai énormément de contrôle, je peux faire tout ce que je veux avec. Et vu qu'ici l'idée c'était vraiment de ne pas se prendre la tête avec, avec trop de trucs, et ben j'ai dit on va tout changer, on va partir sur une strat et on va partir sur un seul câble. Enfin, 2 câbles, ma guitare dans le pedalboard et le pedalboard dans l'ampli, en front, dans le préamp direct, et puis c'est tout. Alors ça vient avec des challenges, parce que moi j'ai l'habitude de toujours jouer avec un ampli en crunch, donc ça veut dire que s'il met une reverb, bah, y a déjà du crunch sur la reverb. Hein, donc faut savoir doser le niveau de gain qu'on met dans l'ampli. Mais je vais vous faire un peu écouter ce que ça donne. Ça va ? We'll be right back.
Et voilà, un petit tour de tous les effets. Donc j'ai 7 sons différents. Et avec ces 7 sons, je fais un peu, plus ou moins tout le set. Alors il y a toujours mon petit truc que j'aime bien faire de tout le temps, qui est... qui est une petite pédale de shimmer qui se met toujours sur la pédale d'expression. J'ai toujours eu ça, j'ai toujours fait avec ça. Et ça me permet toujours de pouvoir noyer mon son très facilement. Et puis de revenir après, ça permet de faire des effets qui sont vraiment cool. Alors, j'ai toujours deux shimmer, enfin, en tout cas deux longues reverb, enfin, toujours une sur pédale d'expression comme celle-ci. En sachant que ça me permet de me faire des effets très secs, par exemple. Et là, ça s'arrête. Par contre, si tu es sur un preset avec la longue reverb... Ah, attends. Ouais. Et que je reviens sur le clean, ben ça laisse tourner quand même. Donc ça s'appelle spillover. Ça veut dire que la reverb va continuer à... évacuer le son qui était rentré juste avant qu'on change le preset, et donc ça va permettre de faire des transitions super smooth entre les différents presets. Et donc j'ai le choix de soit de faire un son très très wet et puis de l'arrêter d'un coup, ou alors de faire un son très wet et puis de l'arrêter calmement. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Et j'ai toujours, ici, ça sont, le quad contact est mis en mode pédale. Donc j'ai toujours accès à des pédales constamment pendant tout le live pour toutes mes scènes, en fait, pour tous mes presets. Donc, par exemple, ici sur un clean, je vais chipoter aux différents boutons, vous allez voir ce que ça donne. We'll be right back.
Et le gros avantage, c'est que par exemple là, j'ai changé plein de trucs. Donc ça veut dire par exemple, je vais aller sur la scène 4, je vais mettre des effets là, tu vois. Et puis sur la scène 3, hop, je vais mettre ça. Et donc maintenant en fait, tous mes presets sont changés. Sauf que maintenant, si je maintiens mon premier switch, pouf, je reviens sur le preset, enfin sur la session minor-minor, comme c'était enregistré, donc comme je l'ai précédemment sauvegardé. Donc c'est-à-dire que toutes les modifications que j'ai faites que je n'ai pas sauvegardées sont parties à la poubelle, comme rajouter des pédales. D'ailleurs, à chaque fois, on voit l'Astérix à partir du moment où je le modifie. Et donc ici, on a différentes pédales. Je pense que ici on est sur une DS, ouais, une DS1, et elle fait un côté un peu compressé comme ça, elle fait un truc très fuzz, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Ici on est sur une colonne, donc je pense que c'est la Pure Drive ou un truc comme ça, Mid Drive, ouais. Et puis ici on a une RAT, je pense, si je me gourre pas, ouais c'est ça, Rodent Drive. Et ça me permet, ça par exemple, la RAT, combinée avec la compression, poussée à fond, d'avoir des chouettes effets, avec pas mal de bruit de fond, mais ça dépend aussi de l'endroit dans lequel je joue, à cause de l'électricité. Ça fait quelque chose de vraiment pas mal, en fait, la différente combinaison de certaines overdrive. Par exemple, là, la RAT, on va être sur quelque chose de beaucoup plus aigu que si je mets la Centaur, on sera pas pareil. Voilà, donc à chaque fois, c'est avoir un... Je veux toujours avoir un truc très analogique et avoir toujours 7-8 presets maximum où c'est toujours le même ampli, mais utiliser différentes combinaisons de pédales et différents contrôles comme la pédale d'expression ou pouvoir faire varier, par exemple, si je vais sur la clone Centaur, en fonction du preset, elle n'a pas tout le temps le même réglage. On peut voir ici, à chaque fois, on change... On voit un peu. À chaque fois, on change un peu les réglages. Et c'est adapté en fonction de la disto, du type de gain que je mets pour tel ou tel preset. Voilà. Voilà, voilà. Qui est complet. Et donc, tout ça pour ne pas jouer. Ce qui est un peu dommage. Ça arrive. Alors. Lab Max. Première chose, elle prend quand même 400 mAh ou 300 mAh, je ne sais plus. C'est quand même déjà pas mal, pas mal. Je vais vérifier que j'ai pas reçu de message en même temps. Parce que sinon, je me perds ici. Mais...
Non, ça a l'air d'aller. À quoi que. Parce qu'il ne reçoit pas là, en fait. On va faire ça. Mais ça a l'air d'être bon. Oui, c'est bon. Oui, alors. Elle prend 300 milliampères. Alors, maintenant, j'ai l'air d'un con parce que j'ai en fait un. Tu peux voir ici un tout petit peu. Et là aussi. Tu vois, j'ai pour l'instant un transfo en plus. Alors ça m'emmerde un peu parce que moi j'aime bien avoir juste une IEC et brancher avec ma power. Tu sais, j'ai une dalle d'alimentation qui est en dessous, un Voodoo. Voodoo 2, je pense, ou un truc comme ça. Et tout tenait. Et normalement, c'est censé tenir avec la max, sauf qu'il faut que je puisse combiner deux sorties pour pouvoir additionner l'ampérage. Ça a été commandé sans l'attente. Et donc ce sera propre bientôt, mais là pour l'instant j'ai un transfo en plus. Donc il faut savoir que c'est 300 mA et que ça demande quand même beaucoup. C'est un peu comme une disto à lampe et ce genre de truc. Ça demande quand même pas mal d'alimentation. Autre chose, c'est qu'une fois que c'est mis, ben, le moyen de pouvoir connecter ta pédale avec ton téléphone pour avoir l'application et pour aller dans les réglages plus profonds. Eh ben, ça se trouve là à l'arrière en fait, c'est en dessous des jacks de connexion. Et eh ben, et moi, ça, je dois la retirer. Je dois la retirer si je veux la pairer. Normalement, c'est censé. Une fois que c'est pairé, t'as juste à te connecter à chaque fois que t'en as besoin. Mais tu n'as pas besoin de refaire le pairage. Je sais pas si je suis clair ou pas. Mais donc, tu n'es pas censé le faire à chaque fois et aller appuyer sur le petit bouton à l'arrière. Une fois que c'est fait une fois, c'est voilà. Mais dans mon cas, je devais la mettre à jour, etc. Il y a eu plusieurs fois où j'ai dû le refaire. Bref, c'était pas super marrant, mais bon, après, normalement, une fois que c'est fait, t'as plus besoin d'y toucher. Alors, tu as deux compressions, et le gros avantage, c'est que tu peux vraiment passer de l'un à l'autre. Tu as deux compresseurs, et tu peux aussi décider de mettre un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Ça, c'est vachement bien fait. Et tu peux faire aussi l'un et l'autre, mais en mode parallèle ou série. Mais c'est quoi, Rolrito, le parallèle ou le série? Eh ben, c'est facile, regarde. Je pense que vous entendez. C'est la minute. Ça faisait longtemps la minute geek. Je pense que ça date de la fin dernière. Hop, voilà. Alors la minute geek. Tu as parallèle ou série. C'est comme l'électricité. Et dans le son, ici, parallèle, tu vas pouvoir faire en sorte que tes compresseurs ne s'additionnent pas, qu'il n'y en ait pas un qui soit dépendant de l'autre. Donc c'est-à-dire que si je compresse le son de ma guitare, eh bien, ça veut dire que le compresseur qu'il y a juste après, ben, il va avoir déjà le signal compressé et il va le recompresser encore plus. Ça peut être un effet, ça peut être bien ou ça peut ne pas être bien. Ça dépend de ta manière de jouer, de ce que tu as envie d'avoir comme son. En parallèle, par contre, c'est différent. Tu vas avoir ton son qui va être divisé, qui va être dupliqué. Et d'un côté, il va être compressé par le compresseur 1 et de l'autre côté, il va être compressé par le compresseur 2. Et ils sont complètement indépendants. Et puis après, ils s'additionnent, mais il n'y en a pas un qui dépend de l'autre, vraiment. Et je sais pas comment ils ont réussi à faire en sorte, mais tu n'as pas de réel. Le volume est compensé. Parce que quand tu dupliques une source, eh ben, tu l'augmentes de 3 dB. Si c'est la même source à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on joue à l'unisson, etc. À l'unisson, fait que ça va augmenter. Quand tu as vraiment exactement le même signal, ton son va être augmenté de 3 dB. Plus ton signal est différent l'un de l'autre. Par exemple, si je chante et que toi tu chantes faux, si je chante juste et que toi tu chantes faux, eh ben ça va pas faire 3 dB plus fort, parce que c'est pas vraiment le même signal, vu qu'on n'est pas exactement pareil. Et plus tu vas chanter juste, parce que je suppose que je vais chanter juste, eh ben plus tu vas chanter juste, eh ben plus en fait on va additionner le volume en fait, on va avoir une sensation d'augmentation de volume si on est tous les deux en même temps. Donc plus les sources sont similaires, plus tu ressens une augmentation de volume et pas une sensation d'ensemble. Okay? Donc, tout ça pour dire, c'est qu'ils ont bien fait ça parce que cette pédale-ci, pour l'instant, elle est en mode
parallèle. Et donc, je vais revenir sur mon écran. Yop. Quand j'ai le compresseur 1 et le compresseur 2 qui est enclenché, je n'ai pas d'augmentation de volume. Donc ils arrivent, ils disent « Ah ok, il y a deux signaux, et ben on va juste diminuer pour compenser. » Donc ça, c'est bien foutu. Donc t'es pas dupé par l'augmentation de volume, et tu peux pas dire « Ah, ça sonne mieux parce que simplement j'ai augmenté le volume. » Parce que ça arrive souvent aussi, quand, en tant que guitariste, et ben tu... En fait, ce que tu vas aimer, c'est juste que ça aille plus fort. C'est ce qu'on fait aussi, c'est pour ça que dans les des plugins sur ordinateur, des VST, etc., et ben tu as vite, surtout dans les compressions, un petit réglage qui te permet d'avoir auto-gain ou match-gain. Ça veut dire que quand tu vas vouloir bypasser ton compresseur, il va juste faire en sorte que les volumes soient identiques. Et comme ça, tu vas pouvoir vraiment entendre le son compressé et le son non compressé, sans te dire « Ah ouais, mais vu que ça compresse, ça va plus fort, et donc j'ai une sensation que ça va de toute façon mieux parce que c'est plus fort. » Parce qu'on a tous tendance à préférer les sources qui vont plus fort aux sources qui vont moins fort. Voilà. Donc c'est un petit truc. J'ai fait entre guillemets, tandis que c'est pas un petit... Il ne faut pas dire entre guillemets quand tu dis petit truc, hein, mais bon, bref. Donc quand j'ajoute un compresseur ou l'autre, ils sont en parallèle. J'aurais très bien pu les additionner, mais ça devenait beaucoup, en fait. S'ils étaient en série, le son deviendrait vraiment, vraiment trop compressé. Là, c'était trop. Donc là, je suis vraiment sur deux signaux indépendants, et ça, c'est vachement bien foutu. Et pour l'instant, j'ai deux compresseurs, et chaque compresseur pourrait décider d'avoir trois voicings différents. Et dans le cas de la Max, c'est Dyna. Donc Dyna Comp, c'est le compresseur rouge, là, un peu connu, qu'on voit dans toutes les simulations de compresseurs sur tous les trucs numériques. Tu as un LA2, donc compresseur optique. C'est juste une technologie de compresseur qui compresse d'une certaine manière. Et puis tu as un compresseur FET, donc c'est un transistor, je suppose. 1176. Je dis pas des conneries, c'est un FET, hein, c'est un transistor. Donc tu as trois types de compression. Le 1176, c'est super connu, c'est une compression que tu trouves partout. Le LA2 aussi. Et j'ai toujours en fait le compresseur 1 qui est mis sur LA2, qui est tout le temps mis. Ça me permet d'avoir en fait plus de sustain, un son un peu plus beefy. Forcément, j'augmente un peu le rapport signal-bruit, donc j'ai un peu plus de bruit, parce que ça compresse tout, donc ça augmente le volume de tout, même des sons les plus faibles. Donc ton bruit de fond qui est là, il va augmenter. Et j'ai le compresseur 2 pour booster et pour ajouter quelque chose en plus. Et comme je l'ai setupé, ce beau franglais, via l'application, tu peux décider d'avoir un étage de préamp avant, et que cet étage de préamp colore un peu ton son au niveau de l'équalisation. Donc tu peux avoir un shelf dans les graves de plus 3 ou plus 6 dB, et un shelf dans l'aigu de plus 6 dB ou 0. Je pense que c'est ça. Hein. Ou alors c'est plus 6 dB obligé ou 0 dans les graves, et puis dans les aigus c'est plus 3 et plus 6. Il y en a un des deux où tu as le choix de pouvoir passer par plus 3 avant de passer par plus 6. Et donc ici, typiquement, tu vas entendre comme le son est plus rond et plus beef avec le compresseur 2, qui est en 1176 dans ce cas-ci, comparé au compresseur 1, qui est un LA2, où il n'y a pas d'EQ mise dans l'étage de préamplification. Ok ? Alors, voilà ce que ça donne. Pas de compression. Compresseur 1, LA2, pas d'EQ. Thank you.
vois ici déjà une énorme différence, compression et sans compression. Et juste pour ça, moi, je trouve que ça rend... Alors, il y a un peu plus de gain. On peut peut-être essayer de baisser un peu l'output ici pour vraiment avoir la même chose. Par exemple, si tu fais un petit solo, si tu fais des petits leaks, et ben, avec le compresseur, tu vas voir direct la différence. Déjà une grosse différence avec le compresseur et ça aide vraiment. Moi je trouve que depuis que j'en ai un, j'aurais pu faire sans. Alors aussi dans le sustain, forcément. Direct, il y en a beaucoup moins. Alors faut savoir que je triche un peu, j'ai un noise gate. Le compresseur est avant le noise gate parce qu'il est avant le quad cortex. J'aurais pas su le mettre dans la boucle parce que les boucles sont utilisées pour les amplis. Donc une fois que je dépasse un certain seuil, le son est coupé. Mais forcément le compresseur va rajouter, va augmenter les sons faibles, donc tu vas augmenter le sustain de ta guitare. Et ça donne quand même mille fois mieux avec. Alors la comparaison entre les deux compresseurs. T'as les deux ensemble, donc déjà de 1 beaucoup plus grave, beaucoup plus beefy, il y a plus de gain aussi, et celui plus transparent, plus plat dans l'EQ, donc ça permet vraiment d'avoir des effets bien sympas. Je te montre dans un contexte.
plein d'autres choses avec, forcément. Je serais pas vraiment te le montrer ici, parce que voilà, c'est un petit live, on fait ça, on parcourt un petit peu. Mais je te donne en tout cas mon avis. Plutôt que de vraiment la tester, c'est plutôt une review. Je trouvais ça, j'étais assez content de la différenciation, parce que là, ça va être un test de la LTD, mais c'est une review de la Max. Donc, attends, je vais remettre la musique dans le fond. Donc, tu peux avoir vraiment deux compressions très fortes ou deux compressions légères. Je trouve que ça fait quand même quelques mois que j'ai des compresseurs sur mes presets via le Quad Cortex. Et ça marche un peu, mais c'est pas aussi simple que ça en fait. Ces pédales-là, ça, un peu la Kali 76 de chez Origin Effect, je pense, Origin Audio, Origin Effect. Ce sont des super pédales. Et ça va améliorer ton son quand même. Alors après, ouais, c'est passé 300 balles, je pense, la pédale. Mais il y a un réel plus d'avoir cette compression. Surtout, moi, je voulais avoir... Quand ils ont sorti ça et que j'avais vu qu'il y en avait deux, il y avait deux compresseurs qui sont sur Switch, qui sont assignables comme on veut, avec le petit bouton préamp que tu peux assigner comme tu veux. Tu peux faire une EQ dessus, donc tu as un shelf aigu et grave. Tu peux essayer de baisser, tu peux aussi faire du sidechain avec cette EQ, donc c'est-à-dire de baisser gravement les graves pour que le compresseur soit beaucoup plus sensible, enfin se déclenche beaucoup plus facilement par rapport aux aigus qu'aux graves. Donc tu peux très bien lui dire je booste les aigus juste dans le sidechain, donc dans ce qu'il utilise comme moyen de détecter s'il doit être utilisé ou pas. Et tu peux du coup compresser plus les aigus, enfin le rendre plus sensible aux aigus qu'aux graves. Voilà, un peu comme un DSR, mais vraiment vite fait quoi. Deux compressions avec des simus qui marchent très bien, donc 1176 LA2. Je trouve que la LA2A est vraiment nickel pour ne pas entendre la compression, mais ça compresse. Donc c'est très très subtil. La compression ne s'entend pas, mais on n'entend pas ce vieux truc de sustain ou de l'attaque qui est beaucoup plus forte. Le son est plus rempli. Je trouve ça très naturel en fait comme compression. Le 1176 est beaucoup plus coloré, il y a plus de marques, mais elle est très belle aussi. Mais c'est plus typé. Donc j'utilise ça vraiment que comme un boost et comme pour faire certains effets. Par exemple, je vais vite faire sur des gros solos. Ici par exemple. J'ai recoupé la musique. Hop. Et je vais vite passer sur des longues notes en fait. Et pouvoir jouer avec ces longues notes là, je vais mettre un peu un delay. Après, tu dois vivre avec le fond. Parce que ça, c'est juste... C'est à cause de la compression. Tu vois déjà la différence. Voilà. Vraiment. Mais, voilà, ça marche super bien. Et ça permet vraiment de toucher d'autres types de sons. Et de vraiment utiliser ça comme... Moi, mes solos sont un peu différents depuis que j'ai la compression, en fait. Je vais travailler un peu différemment et je vais faire autrement, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est pour la Max. Je la conseille. Attention à l'alimentation, ça demande beaucoup. Donc ça se fait pas dans un pedalboard facilement. Après, maintenant, de plus en plus, les alimentations, les briques d'alimentation sont souvent... plus adapté maintenant à des voltages, enfin à des ampérages assez élevés. Donc on a de plus en plus tendance à te fournir plus que 200 mAh. Ici on est à 300. Bon voilà. Voilà. Très content. Très très content. Et aussi j'avais acheté, en même temps que j'ai acheté la Mac, j'ai acheté la petite Autone. Parce qu'avant j'avais une grosse pédale expression.
comme celle-ci, la grosse bosse, et elle prenait une blinde de place. Et je sacrifiais un espace un peu, et l'espace, là, il est comblé par la Max. Voilà, voilà. Alors, et si on jetait un petit coup d'œil sur la LTD. J'ai envoyé un petit message en même temps. Alors, la LTD. Donc, je l'ai eu via... J'avais commencé comme ça avec la Jazzmaster. J'ai revendu la Jazzmaster. Et puis, j'ai rajouté 100 €, je pense. 100 €. Et j'ai trouvé d'occasion. Waouh! Une belle Les Paul, single cut, un micro, et ça me parle. Ça me parle. Vous savez bien que j'adore les micros, les guitares à un seul micro, je trouve ça toujours super joli. Et je suis allé la chercher, j'ai à peine joué. J'ai vérifié que le manche était droit. S'il y avait des petits détails qui me sautaient aux yeux, il n'y avait rien. Elle est en quasi parfait état. Il y a un poke ici. Regarde. Sur la tranche, tu vois là. Tu vois là, on le voit un peu sur la tranche. Et puis j'en ai un juste derrière. Mais, je trouve que c'est une magnifique guitare. Elle est vraiment belle. C'est une LTD. Alors, j'ai eu très peu d'LTD dans ma vie. Ma vie, il va falloir l'accorder. Légèrement. Alors, il y a 24 cases. J'ai jamais pu essayer ça. Et je ne sais pas si on m'a demandé si elle était active ou pas, mais je ne pense pas en fait. Ça m'étonnerait, parce que sinon il y aurait une trappe à mon avis. Alors il y a des strap lock Fender qui sont avec. Je me demande si ça n'irait pas avec... Faudrait que je regarde si ça va avec les scalers, parce que comme ça on dirait... Non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça passe avec les scalers. Mais comme ça, il y a des beaux strap locks déjà dessus. Et tu as déjà un comfort cut, donc une coupe pour le confort. Ici, ou la belly cut, excuse-moi, c'est pour ton petit bidou, pour qu'il se moule bien sur la guitare. C'est beau ça. Et puis après, tu as un super accès aux aigus. Et en parlant de Les Paul avec des accès aux aigus, soyez là pour le prochain live. Hein. Parce que j'ai un petit truc à vous montrer. On fera un petit unboxing. Une guitare plutôt commune. Mais là, comme elle est, je peux te dire que... Elle a un petit truc en plus, un petit twist. En rapport avec ça. Je t'en ai déjà trop dit. Donc, il faut que tu sois là pour le prochain. En plus, ça parlera d'Enzo. Ah, on parlera de lui. Donc... 24 frettes, et j'ai l'impression, oui, il y a un binding noir sur la touche. Par contre, je sens qu'un petit nettoyage lui fera vraiment du bien. Les frettes sont un peu ternes, elles sont un peu grises. À mon avis, il faudra chipoter. Alors, Lucidad, salut! Ça me dit un truc, Lucidad, ça me dit un truc. Message de la première fois dans le chat. Donc, première fois que tu es là, mais ça me dit un truc, Lucidad. Lucidad, ça me dit un truc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc comme ça sur Instagram, quelqu'un qui me suit ou que je suis ami avec? Attends, je regarde vite. Je voudrais le savoir. Ça me dit un truc. Qui c'est qui, Lucidad? J'ai trouvé trop un truc. Non, je pense pas. Ça me dit un truc. Daddy Cool. Ah! Attends. Daddy Cool. C'est mon beau-père? Je crois, je sais plus.
Attends. C'est ça? C'est ça? Non. Daddy Cool, c'est qui alors? Attends. Je vais aller voir ton profil. Créé en 2022. C'est qui alors? Oh, mais ça me dit un truc, hein, ce nom. Nom de Dieu, je ne sais plus dire. Alors. Donc, 24 frettes, ça j'ai dit. Alors, il y a aussi un beau. Un truc que j'aime vraiment bien chez les ESP. Enfin, chez les LTD. Et ESP aussi parle la même chose. Il y a, comme sur les Gibson Norlin, tu as un renfort au niveau de la jonction neck-tête, entre le manche et la tête. Et ça, j'aime vraiment bien. Je trouve ça toujours super sexy. Le manche, c'est pas trop autoroute. Ça va encore, ça va. Une volute, le renfort. Ah ouais, une volute. Bien vu. Faites en Indonésie. Bon, ça, on s'en fout, hein. On s'en fout. Finish satin, ça se voit quand même, hein. C'est vraiment une guitare quand même un peu de métal, hein. Ça s'appelle black metal pour une raison. Oh là là. Par contre, les ciliers, il va falloir gravement les nettoyer. Ils sont pas très beaux, regarde. Je sais pas si tu pourras bien voir. Ouais, tu vois. Ils ont un peu pris, hein. Voilà. Donc t'as un beau binding noir, je ne connais pas la touche. Oh les pontets, ouais c'est pas le cilier, oh là là, je dis, t'as raison, j'ai chaud, je suis au bout de ma vie en fait. LTD, AC, Metal Black, voilà, regardez. Est-ce que je connais pas? Ça a pas l'air, c'est pas du fret, c'est pas du rosewood. Ah, c'est de Macassar Ebony, donc ça reste, c'est de l'ébène. De l'ébène qui est un peu brun quand même, mais ok, c'est de l'ébène. Je pense qu'elle a besoin donc d'un petit nettoyage. Et on va tester ce que ça donne. Donc, d'un côté, ça va être straightforward, ça va être rapide. Il y a un micro, un volume, on va voir ce que ça donne. Elle est mise en drop C, si je ne me gourre pas, donc l'accordage de minor, c'est parfait. On va voir ce que ça donne. Hop. Allez, bon. Ouh là là. Ça va être beau. Je vais couper la musique, on va voir ce que ça donne. Bon, on va mettre en espèce de clean pour l'instant. Hop. On va faire nos compressions. On va vite l'accorder, tiens, tant que j'y suis, parce que tant qu'on y est. Allez, juste. Hein. Enfin, le mi était juste. Alors, elle existe aussi en version Floyd Rose. Hein. Je pense que c'est plus ou moins le même genre de prix. Ok, allez, c'est parti. Première chose qui me frappe, beaucoup de gains de sortie forcément, c'est le micro qui fait ça, ce sont des micros on va dire faits pour le gain. Par contre, j'aime pas trop la course de volume en fait sur cette guitare. Tu vois, j'arrive pas à bien cleaner tandis que je pars d'un crunch. Thank you.
Tu vois, ça reste très sombre, un peu bouilli comme ça, c'est pas très très clair. Attends, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Pas dégueu, non, pas dégueu. Tu peux entrer! Deux secondes! Bon, on avait une âme perdue, une âme solitaire qu'il fallait sauver, qui se trouve derrière la porte, il va arriver. Donc, si j'ai bien compris aussi, ce sont censés être des inlay glow in the dark. Alors, des repères glow in the dark. Donc, à mon avis, avec assez de lumière, c'est parce qu'à mon avis, là, elles n'ont pas été fortement à la lumière. Mais c'est censé être... se voir sur scène, ce qui est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, pas super fan de la manière dont ça se clean, mais ça a beaucoup de gains et le son est pas dégueu, vraiment. Ouais. On va voir avec un peu de compression. Salut Internet! Salut Internet! Coucou! Bonjour! Bonjour! Tiens, qui voilà! Alors? Je suis venu t'apporter de l'ice tea. Ah, c'est gentil. Parce au revoir! J'ai très chaud ici. Tu m'étonnes. Faut que tu cherches une chaise par contre. Oh, ah oui, ça je sais, hein. Ah, ça, t'es en retard, hein, donc. Hein. Ah ouais, il utilise les bons. porte-gobelets. Parce que la dernière fois qu'il est venu, on s'est pris. Ben, je suis tombé, en fait. Et j'ai renversé la bière. Ça fait. J'ai pété sa manette en même temps. Depuis, on s'est dit porte-gobelets, porte-gobelets, porte-gobelets. Il faut des porte-gobelets. Alors, avec compression. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ici on a parlé de la compression max. Ah, c'est déjà fait ça. Oui, ça on a fait un peu une review. On n'a pas testé dans toutes ses profondeurs parce qu'il faut l'application, c'est avec le GSM, c'est tout un bazar. Ok. Mais j'ai donné mon avis sur le truc et on va en reparler après. Ah, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Et oui. Ça, c'est un petit test, donc on est cool. Je suis allé chercher ça. Donc tu te rappelles, il y avait une Jazzmaster. Elle est bizarre. Ah, mécanique à blocage, ça j'aime. Ouais, oui, c'est vrai, mécanique à blocage, j'ai pas précisé ça. Ça, je surkiffe. Alors, tu as des... Oh. Ah ouais. Caché sous mon verre. Tu as 24 frettes, touche en ébène, à mon avis c'est un ébène, on va dire, bas de gamme, entre guillemets. Petite guitare toute simple, micro, bah oui. Toute jolie. Toute simple, et simple. Ça va jusque dans le côté une pièce, quoi. Ouais, c'est ça. C'est super cool. Ta finition en mode une pièce, alors t'as juste un gros poc, voilà. Ouais, un petit poc ici. Le manche, c'est fat. Ça va, non, ça va. Hein. Ah, tu trouves? Non, oui, regarde, prends. Peut-être parce que je suis fatigué. Si tu prends la Strat. En fait, ouais. J'ai... La Strat est plus grosse, je pense. Hein.
Ah oui. C'est vrai, en effet. Non, ouais. Mais c'est plus facile à jouer quand même. Ouais. Après ici, voilà, il faut la nettoyer, il faut lui mettre des nouvelles cordes. Mm-hmm. Parce que bon, tu vois, les frettes, elles sont toutes ternes. Un petit coup de polish, ça ferait pas de mal. Et donc on va voir ce que ça donne maintenant avec de la grosse disto. Moi. Parce que ça, c'est un clean, hein. Ça c'est mon clean, tu vois. Oui, je connais ton clean. Oui, mais là, il est encore plus moins clean, tu vois. Cette chanson-là est super difficile, il faudrait que je la joue plus depuis un bon bout de temps, mais... pas très propre. Hein. C'est du Extreme ? Non, c'est du Living End. Ça y ressemble. Okay. Ah ouais, non, c'est du Living End, je le mettrai après, tu verras. Mmh. Donc bah ça se comporte quand même bien, forcément. C'est un peu fait pour. Hein. C'est méchant. Ici, il y a déjà beaucoup de gain, donc on va moins entendre de la compression. Mais ça s'entendait plus mais avec là, la deuxième, il y a en fait, un côté très fuzz. Ce que j'expliquais, c'est qu'ici, en fait, tu as un étage de préamp qui est différent avec une EQ dedans. Mm-hmm. Tu vois, ici, en clean, compresseur 1, compresseur 2. J'aime beaucoup ce son-là. Mais c'est la guitare qui... Tu peux essayer avec la strat, on peut reprendre la strat ça parce que vraiment, ouais. Elle est droppée aussi. Ouais, mais je suis étonné. Je suis très 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 étonné. Enfin, oui et non, parce que c'est quand même une gratte faite pour, mais... Ah, ouais. Baveux, un peu, avec un l'autre peu compresseur. Ouh, j'aime bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser que l'ampli c'est
Marshall, c'était le Yongi Malmsteen signature, parce que c'est un gros plexi qui avait un atténuateur intégré, et c'est un chouette profil que j'ai fait, que j'aime bien, et voilà. Donc c'est un type plexi d'ampli, ça c'est toujours toujours pareil avec moi, plexi et crunch. Donc, elle s'en sort bien, il faudrait voir. Je trouve que, et franchement, les LTD en soi, ça va bien. Je trouve que c'est une super qualité. Ouais. Pour être un peu le Squire de SP, franchement, il s'en sort bien. Je trouve que le micro est peut-être un peu haut, il faudrait peut-être un tout petit peu descendre, à mon avis. Ouais, et ça regarde. Il y a du gain à mort. Parce qu'il est fort proche, tu vois. Peut-être que tu perds, t'es un peu trop baveux, tu vois. Mais déjà, rien que l'écriture de Seymour Duncan dessus, t'as compris que c'était méchant. Ah, mais en fait, est-ce qu'il se règle? Normalement, oui. Hein. Est-ce que ça se règle, ça? Quoi, y a pas de ressort en dessous, ou un mousse, ou quoi? Ben, je ne sais pas. Là, je dévisse. T'es en train de le rehausser, non? J'ai l'impression que... Parce que... Mais dans l'autre sens, ça ne... Roll Rito, ta langue! Mais je peux pas le visser plus, en fait. Donc, il ne peut pas aller plus bas. Donc, il y a un petit inconvénient, quand même. On peut pas aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Ah, on m'a dit la langue. Ah oui, on entend pas les... Ah, okay. On entend pas les alertes. Donc, on m'a dit langue. Excusez-moi, oui, je tiens là. Ça devient une habitude. Mais c'est Lucidad. Moi, je connais. Tu sais qui c'est Lucidad? Ah non, c'est mon. Lucidad. C'est mon collègue. Je ne saurais jamais deviner. Ah, c'est peut-être lui. Bah non, parce qu'il avait parlé la fois dernière. Denzo Custom. Je sais pas qui c'est. Ah non, bizarre, hein. Ah oui, tu vois, je disais les pontets, excusez-moi, mm-hmm. Les pontets, ils ont bien morphé. Donc, tu vois, il faut la nettoyer. Mais elle sera, à mon avis, elle va gagner un peu en étant bien nettoyée. Elle sera quand même en meilleur état. Dommage qu'on ne puisse pas descendre. J'aurais bien descendu un tout petit peu, quoi. Et puis 24 frettes. Sur lesquelles tu iras 1% du temps. Mais celle-là. Et honnêtement, l'action est méga basse, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'on a vu sur le type de... Laisse-moi voir. C'est pas le radius, c'est sur le scale, on est sur du 24-75. C'est quoi encore une Gibson? C'est pas 25 et des brouettes? Peut-être moi qui dis une couille. Gibson... scale... length... Ah 24-75 aussi. Ah, c'est pareil, alors on est sur la même chose. Et ben, j'ai l'impression que c'est 1000 fois plus grand, quoi. Ah ouais? C'est fou, ça. Après... Pardon. J'allais dire, la deuxième frette est peut-être au même endroit, mais non, elle, c'est plus ou moins pareil, tu sais. Ça va l'air cohérent. Alors, en termes de poids, pour moi, elle est super légère. Ouais, il n'y a pas écrit sur le site ici, mais... non, il n'y a pas écrit, mais... mais elle est vraiment en bonne... À fond. Dans le bon poids, elle est toute légère. Ça va être... Et ça, en live, si j'ai un groupe métal, moi... Ah ouais? Ouais, ça, ouais. Il a été dit, ouais. Mais voilà, dans le prochain live, en fait, je vais avoir une guitare qu'on a déjà eu ici plusieurs fois, mais qui a une option qui est méga cool. Et cette guitare, elle va me permettre, je vais la modifier, et d'ailleurs, je vais le faire avec Denzo, et donc j'en parlerai tout au prochain live, je donnerai les détails. Mais tu pourrais très bien partir sur ce genre de guitare et faire pareil, et la transformer en cette guitare comme ça, et ça serait bien métal, mais ce serait Gibson, tu vois. Je me sentirais plus à l'aise. Mais c'est quoi le... De quoi le la modif? Ah, ça j'en parle après. Ah. Acajou.
Je sais pas, voilà. C'est tout noir. Je te laisse, regarde. Acajou oui, il me semble. Hein. Attends. Oui, mahogany. Mahogany. Je dis toujours mahogany, moi. Je te laisse voir la compression. Donc, yes. En fait, il y a vraiment une compression qui est plus clean. Donc, celle-là, elle est clean. Et la deuxième, elle va vraiment booster les graves et le préamp est un peu plus marqué. Et c'est un 11-76. Le premier, c'est un LA2 et l'autre, c'est un 11-76. Et je peux combiner les deux, mais ils sont en parallèle. Donc ça veut dire que c'est pas un après l'autre ou un avant l'autre. C'est vraiment le signal est dupliqué. C'est en même temps que l'autre. C'est compressé, ça. Oh, mais il l'a mille fois mieux. Oh, comment t'as. T'as résumé ce que j'ai essayé de dire en 20 minutes. Quoi. Je te montre un peu, je te laisse jouer avec. Tu vois? Ouais. Vas-y, regarde. On sent pas la compression. Non, mais il y a... le son est mieux. Ouais, mais c'est trop bizarre. Tu dirais que ça agit comme un EQ augmenté. Ouais. Tu vois, ça joue plus sur le comportement et l'âme du son que sur un réel effet. Ouais, c'est ça. Fait. Je trouve que juste ton son est plus rempli. Ouais, c'est ça. Et ça sonne mieux. Tu vois. Ça sonne juste mieux. Alors l'autre, par exemple, lui, on l'entend quand même beaucoup plus, de manière beaucoup plus drastique. Alors les deux en même temps, quand t'as une grosse... Par exemple, ici, par exemple, je vais être dans ce son-là, un son overdrive, un bon son overdrive, et puis pouvoir taper des longues notes avec ça, en plus. Il y avait vraiment des harmoniques qui ressortent, des trucs qui sont hyper intéressantes. Ouais. Tu peux te permettre de faire ce genre de choses. Et je trouve que ça te permet de changer ta manière de faire des solos. Tu peux beaucoup plus travailler sur la longueur des choses, en fait. Oui, faire des phrases. Surtout au casque, par exemple. Ah ouais. Parce que un point intéressant, c'est que au casque, tu vas jamais avoir un feedback qui se fait. Tu vas jamais avoir ce sustain qui va venir naturellement parce que tu as un feedback qui se fait à l'arsène et tu peux jamais jouer avec. Et depuis que j'ai vu Chris Buck en live et qui joue énormément sur ce volume, et il est toujours constamment à la limite entre l'arsène, le feedback et cette compression naturelle qui se fait. Et avoir un compresseur va te permettre vraiment de pouvoir jouer beaucoup plus avec, et au casque tu peux être un peu plus drastique et vraiment jouer à fond avec en live, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, à fond. Moi c'est mon petit plus, hein, ça. We'll be right back.
de faire du bordel et ça sonne. Ouais, c'est ça. Alors, la guitare ne vient pas avec un hard case. Je ne pense même pas qu'elle vient avec un geek bag de base. Ouh. Ah ouais, c'est comme pas ça. Pas tout avoir, donc, hein. Mécanique à blocage, voilà, pas ouais. Quoi transporter. Ouais, et c'est des X... C'est quoi, c'est XJ fret? C'est quoi ça, XJ fret? C'est pas les Jescar ou des trucs comme ça? Non, rien à voir, non, c'est Thomas, c'est Thomas. What's the deal with XJ... C'est quoi XJ fret? Qu'est-ce que c'est? Ah, extra jumbo fret. Ah, là. Extra jumbo? Ouais, extra jumbo. Elles sont plus jumbo que jumbo? Jumbo, jumbo! Ouais, elles sont bien, hein. Ah bon. Et t'as un petit binding noir quand même, hein. Ouais, très, ouais. Et donc c'est trucs glow... le reste, on voit pas. C'est censé être glow in the dark, c'est juste qu'elle a été trop dans le dark, donc elle ne glow pas pour l'instant, mais voilà. Okay. Mais je la promets, donc là je vais la mettre en vente maintenant. Mm-hmm. Enfin, maintenant. Évidemment. Ah oui, parce que l'idée, vraiment accessible depuis la Squire, on va vraiment essayer de faire un peu comme Trogly, il fait ça aussi. Genre, c'est Trade Tuesday. On va essayer de d'upgrader l'instrument au fur et à mesure. On est parti d'une Squire Jazzmaster. Et ici, voilà, j'ai rajouté 100 balles. Et maintenant, on se retrouve avec ça. Mm-hmm. Alors, on a déjà quand même fait un gros bond en termes de valeur neuve. Alors maintenant, on perd beaucoup plus sur ça en deux cases que sur une Jazzmaster Squire. Mais voilà, on va essayer d'augmenter un petit peu et de se retrouver avec des chouettes guitares. Et voilà, celle-ci, elle rentrait bien dans le stream parce que single pick-up, ouais. Bah oui. Les Paul, c'est mon délire. On va pas aller plus loin que ça. Hein. Bon, par contre, j'adore les reflets des guitares mat quand elles ont pas encore été usées pendant des années. Je trouve ça tellement élégant. Tu ouais, dirais c'est beau, ouais. À chaque fois qu'il y a un effet de lumière très photographique dessus, en fait, tu sais, qu'on fait passer une lumière ouais, dessus. Ouais. C'est vraiment très, très soft. Moi, j'aime bien les guitares satinées. À fond. La seule que j'ai, moi, elle est nickel. Partout où j'ai passé ma main, on le voit. C'est vrai. C'est poncé. C'est quoi. Quoi la corte. Ah oui, c'est vrai, tu l'as encore, la corte. Ouais, c'est vrai, ouais. Je l'ai encore. Et je suis pas sûr que je m'en séparais. Elle est chouette. Ouais. Elle a pas une âme de dingue, mais... C'est qu'Adrien, il s'en veut. Ouais, ça, il la veut. Il m'en a déjà parlé. Je lui ai dit, ça m'étonnerait. Je lui ai dit, écoute, je l'adore, c'est vraiment la guitare dont je rêve. C'est mon premier rêve de gratte depuis que je suis gosse. Et la voir, je serais pas en séparé, tu vois. Ouais. Mais si à un moment donné ça devait arriver, ce serait directement vers lui que j'irais. Ouais, c'est ça, ouais. D'office. Et alors, aussi, un petit détail qui tue, celui qui la récupérera pourra enlever le plastique de protection qui se trouve sur la plaque arrière. Mais non. Ah si, il y est toujours. Mais non. J'ai l'impression. Quel privilège. Ouais, bah enfin. Oui, ouf. Enfin, je vais l'acheter, hein. Écoute, je veux pas triguer certains gens, mais... Je sais qu'il y en a qui aiment bien, hein, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai l'impression que je suis sous-exposé depuis tantôt. Mince. Bon. J'ai commencé comme ça dès le départ, c'est mille fois mieux. Ouais. Non, je sais pas. Non, vraiment, ça va. Toi, t'es moins bien, par contre. Toi, t'es gris, toi. Mais j'aspire la lumière, moi. J'ai décidé de plus la refléter. J'essaie d'arrêter. J'essaie d'arrêter de rêver. Par respect pour les autres. Ouais, ça. Si on s'abîme de plus en plus les yeux avec les écrans, c'est bon, ça. Je vais essayer un peu, quoi. Bon, ben voilà. Super classe. J'aime bien le logo 3D, comme ça. Brille un peu. Oui, le logo aussi, ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Ça, ils ont vraiment bien fait ça. Parce que t'as pas ça sur toutes les LTD. Hein. Bah non. C'est vraiment. ESP, je le fais aussi ? Certaines, pas toutes non plus. Certains trucs. J'ai pas l'impression que c'est partout. Donc voilà, c'est une gratte. Attends, tu sais la remettre ? Non, mais. C'est quoi ? C'est dans les 1100 €. Ah 9, ouais, quand même. 9, ouais, 9, c'est 1100 €. On est passé les 1000, je pense. Pour une LTD. Quoi ? Pour une LTD, c'est... Ouais. Ouais. Et ouais, ce sera un avis dans les 700 d'occasion, un truc comme ça, que j'en mettrai. Mm-hmm. Voilà, il y a un petit POC, et puis sinon, le reste, nickel. Oh. C'est ce qui fait qu'elle vit. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Bah merci pour ta petite visite, hein. Tu vas pouvoir te casser maintenant. Salut. Allez, bisous.
Bon, allez. C'était un petit live, les gars, mais on reprend doucement, parce que ça a été... Je suis sérieux, c'est très difficile maintenant de faire des lives ces dernières semaines. Ça a été vraiment chaud. Il y a eu le festival de mon centre culturel dans lequel je bosse. Ça m'a pris... ça m'a niqué 2 semaines, sûr. Puis avant, on avait eu des concerts avec des grosses deadlines. Il y a eu beaucoup, beaucoup de trucs. Et donc, j'ai vraiment pas eu l'occasion... À partir de la semaine prochaine, par contre, je serai beaucoup plus... Ma vie, la semaine prochaine, je ferai encore un live. Ouais, ouais, sur quoi? Sur ce qui arrive, sur les différents projets. J'aurais eu vent dans Out Once, comme quoi j'avais passé à la casserole aussi. Je sais pas, j'ai dit ça. Je sais plus, en fait, je sais pas. J'ai eu l'info en tête, je sais pas si ça vient de toi ou des anciens participants. Ah, faut regarder la rediff, alors peut-être qu'on le dit. Ça se peut, je sais plus. Faut se taper les 3 heures de rediff. Bah, juste pour savoir si je vais crever ou pas. Ouais, c'est ça. Juste savoir si je dois tapisser mon estomac de lait. Écoute, ça a été, hein. On s'en est sortis. Mais j'étais arrivé sur la fin et ils avaient l'air un peu rouges. Ils faisaient un peu chaud dans le vestiaire. Il y a juste des fois où j'ai tapissé ma bouche de yogourt. Ouais, ça. Genre comme du baume, tu vois. Je me laissais, je touchais pas, tu vois. J'ai trop l'image. Ouais, j'en ai mis comme ça sur mes lèvres et je fais. Sinon, ça n'allait pas, quoi. Ça, c'était dur. Mais j'avais pris 2 trucs de Riopan avant. De Riopan. Enfin, c'est des trucs pour... Enfin, chez moi, il y a des trucs contre l'acidité, quoi. Enfin, contre les brûlures. Enfin, des trucs d'estomac, quoi. Donc, ça, j'étais prêt, quoi. Ouais, t'étais juste prêt. T'as mangé des salades pendant 2 jours après. Mais c'est et ça. Avant aussi, pour être sûr. Et avant, ouais. Putain, je colle, il fait chaud ici. Hein, c'est il fait chaud de fou. Hein. Chaud, ouais. Je suis venu en jeans comme un con. Ouais, t'as vraiment été con. Ouais. C'est le premier truc que j'ai trouvé, je fais ça. Maintenant, ça c'est que ça n'aère pas ici. Je ferme les volets. Là, j'ai pour réouvrir parce qu'il commence à faire bon. Mais sinon, la journée, il fait trop chaud pour ouvrir. Et puis, il y a l'ordi qui tourne. Ça, il a du mal, hein, ça chauffe hein, comme ça, l'air de rien. C'est vrai. Donc voilà. T'as vu donc, le petit pédalboard avec la Auton? Oui, elle est chouette. C'est vrai qu'on n'avait pas discuté de la Auton. Oui, bah voilà. En fait, c'est pas grand chose. Hein, le son passe dedans. Donc normalement, je peux la mettre en mode wah-wah, mais vu que c'est une expression et qu'elle est assignée à quelque chose, c'est-à-dire que je ferai mode wah-wah et puis à chaque fois, j'enverrai quand c'est dans l'aigu de la wah-wah, et ben on est. Je suis dans les graves. Je suis dans l'envoi de la Scheimer à 100%. Donc, ce serait un peu bizarre, quoi. Ouais. Mais c'est bien, il est plus compact comme ça. Je vois enfin s'il me reste des piles ou pas dans mon Line 6 relais, parce qu'avant il était mis sur le côté, donc j'avais aucun repère. Et voilà, mon petit apnilé. Super beau board. Ouais, c'est bon comme ça. Je me réjouis de commencer le mien. Ah, on en parlera. On fera une émission. Hein. Il faudra qu'on en cause. Ouais, à fond. Avoir un peu des comparatifs et tout, parce que ça s'inspire un peu aussi avec le Morningstar et tout. La Kernom, il y a un peu les idées d'ici. Mais différent quand même. Ouais, ça va être cool. C'est vrai qu'on peut. Il y a des choses à discuter là-dessus. Qu'on fasse un truc. De toute façon, tu l'auras cet été. Techniquement. Ouais, bah voilà. Là, je suis en train de me tuer aux ardentes pour ça. Donc, t'es quand même payé, même si ça a été annulé. Ouais, sens, ouais. T'es pas là, sur là. Non. Donc voilà. Bon, allez. Tu te rappelles la catchphrase? Putain, je la sortirai comme ça n'importe où. En fait, c'est comme question pour un champion. Ou qui veut gagner un million, tu vois. Genre, tout paraît évident, mais une fois que t'arrives là, le stress te fait que t'as oublié. Le stress, je suis... C'est l'angoisse, c'est internet. Je suis quelqu'un, ouais, je suis quelqu'un de stress. Hein. Donc alors On s'appelle, on se fait une bouffe. On se la met, on se fait une douffe. On s'épile, on se fait une touffe. Oh, il a... Non. Oui, si, c'est ça. Non. Si, c'est ça. C'est ça. J'ai révisé. J'ai cru... Excusez-moi, on s'appelle, on se fait une bouffe, on se la met, on se met une douffe, on s'épile, on se fait une touffe. Ouais, je vais pas regarder où j'allais. Pas non plus. Merci les gars d'être venus. À mon avis, on se verra plus tôt dans la rediff vu le nombre de personnes, mais bon, j'avais pas trop teasé, j'ai prévenu ça ce matin, c'était un petit live. On va dire qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est normal. Merci quand même à Denzo, merci à Lucidad d'être passé. Merci, il y a eu tantôt, mais il n'a pas continué, dommage, j'aurais bien voulu savoir si j'ai pesé, il y a eu des personnes. Donc je ne sais pas. Florès, W. Florès a dit oui. Florès. Non, voilà, merci beaucoup. Et, Pas de Calais. Ok, je reste là-dessus, franchement. pas de Calais, je retiens ça.